Non mais les gars, vous vous rendez pas compte? Ça c'est la classe. Y'a que les grands de ce monde qui peuvent se vanter d'avoir leur vie portée à l'écran. Malcolm X, Gandhi, Pocahontas, Mary Poppins... Arrête tes conneries, Franck, s'il te plaît. Mais arrête de dire des conneries de quoi? Je l'ai pas inventé, ça! Mais c'est pas possible, Franck, on peut pas faire un film sur nous. On est des glandeurs, on fait rien de nos journées. Tu vas pas faire un film sur une heure et demie de glande. C'est un concept, mais c'est pas un film. C'est quoi le pitch? Trois mecs sur un banc qui boivent une canette, c'est ça? Non, le pitch, c'est trois mecs sur un banc, point. Non, la canette de coca, c'est le milieu du film, tu vois, la grosse scène d'action, l'apothéose! Arrête tes conneries, Franck. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Vous voulez une preuve oculaire? Ben voilà, la preuve oculaire. Allez, vas-y, dis. Ah ouais, putain, elle a raison. On organise un casting sauvage. Cherche type rebeu, avec ou sans expérience. Ça sent le film amateur, ça. Ouais, et puis c'est encore un truc de vendu, ça. Ils vont mettre des barbus, des terroristes, des talibans. Tout ça, la traîtrise de l'intérieur. C'est un type du quartier qui va réaliser. Astaghfirullah. Putain, ça me dégoûte. Que des traites sur cette terre. Allez, nous, on bouge. Deux minutes, les gars, j'arrive deux secondes. Bonjour, Aziz, baron professionnel. J'ai entendu parler d'un projet comme quoi il y aura un film Les Barons, un tournage un peu sauvage ou je sais pas trop quoi. Moi, je voulais dire stop, on arrête le casting, moi, je suis un acteur pro. Là, tout à l'heure, quand je vous disais que jamais de la vie je vais tourner dans ce film, mais j'étais dans le jeu. Vous avez cru, hein? Même moi, j'y ai cru. Ça, c'est la méthode acteur studio. C'est quoi ce bordel? Oh, qu'est-ce que tu fous? À qui tu parles? À qui tu parles, mon vieux? T'es en train de parler tout seul, t'es fou ou quoi? Ben ouais, je t'ai vu, t'es en train de parler tout seul depuis tout à l'heure. Y'a rien. Bonjour, moi c'est Hassan. Bon, je vous observe quand même depuis quelques minutes là, et je ne vous cache pas que je suis très intéressé par le rôle de Hassan. Évidemment, puisque c'est moi. Quoique je pourrais jouer également le rôle de Mounir, d'Aziz et les trois en même temps. Pourquoi? Parce qu'en gros, le jeu, c'est dans ma nature. Voilà. Alors, là, je vais vous faire une petite démo, un petit truc vite fait, un truc en appro. On pose la situation, on ne s'est pas vu depuis 15 ans et 2 mois. Vous allez me tapoter sur l'épaule. Évidemment, je vais être surpris. Hein? Je vous laisse découvrir. Attention, je n'ai pas dit 15 ans, je n'ai pas dit 16 ans, j'ai dit 15 ans et 2 mois. On est au millimètre, là. Tapote. Juste un tout petit truc. Si tu veux qu'on partage un petit peu les émotions ensemble, il faut juste que tu mettes un peu plus d'amour dans le tapotage d'épaule, là, parce que là, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Aide-moi, s'il te plaît. Vas-y, tapote. Michael! 15 ans et 2 mois? Voilà, ça, c'était un petit truc. Maintenant, on va monter d'un cran là, parce que là, je vais passer du rire aux larmes. Tu vois quelque chose? Okay, là? Tu parles? Y a quelque chose là? Tapote! Et l'autre à qui il parle? Vas-y, tapote! Vas-y, tapote! Regarde ce que je vais te donner là, regarde ce que je vais te. Ah! Oh! Oh! T'es malade ou quoi? À qui tu parles? Oh! Je parle à toi! Oh les gars, qu'est-ce qui se passe là? Franck, t'as vu? Sur la tête de ma mère, partez en couille, regarde, vous avez même fait peur à Franck, Tabla! Le mec, il nous colle 24 heures sur 24 et là, c'est la première fois que je le vois partir. Tiens, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois son dos. Mais c'est pas le dos de Franck, ça, c'est un dos de figuration, ça. Si, c'est Franck. C'est le dos de mes couilles, ouais! Allez, venez, on bouge! Bonjour, je me présente. Franck Tabla. Enfin, ça, vous le savez déjà. Bah, moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop de tourner dans un film. Bah ouais, je suis pas acteur. Par contre, pour jouer mon rôle, c'est chaud. Ah, faut du lourd, là. Faut un mec qui sait représenter la rue, quoi. Je veux dire, un mec qui a la puissance du piton. Il y a un charisme, quelque chose, quoi. Et là, le seul que je vois comme ça, sans crier gare, comme ça, c'est Julien Courbet. Ouais. Ah, lui, il a la classe. Ça, c'est un signe de la fin du monde, ça. Bon, faites pas attention à lui, hein. Nous on est là 24 sur 24. Dis n'importe quoi ce type là. Vous voulez nous contacter, les téléphones ils sont ouverts, y a pas de problème. Faites pas genre vous allez pas nous rappeler. Hein. Non, on est là. C'est clair. Regarde, Hassan c'est un showman. Ben non mais en plus voilà, moi j'ai toute une palette d'émotions là, je veux même voir faire un truc là comme non, ça. Non, là, laisse tomber, décolle-toi aussi. Viens. Mounir!